Radio Vatican présente Fratelli Tutti, la lettre encyclique du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Adaptation radiophonique de Mara Micelli. Il existe en effet un malentendu. Peuple n'est pas une catégorie logique ni une catégorie mystique, si nous le comprenons dans le sens où tout ce que le peuple fait est bon, ou bien dans le sens où le peuple est une catégorie angélique. Il s'agit d'une catégorie mythique. Lorsque vous expliquez ce qu'est un peuple, vous utilisez des catégories logiques parce que vous devez l'expliquer. Vraiment, c'est nécessaire. Mais vous n'expliquez pas le sens d'appartenance à un peuple. Le terme « peuple » a quelque chose de plus qu'on ne peut pas expliquer de manière logique. Faire partie d'un peuple, c'est faire partie d'une identité commune faite de liens sociaux et culturels. Et cela n'est pas quelque chose d'automatique, tout au contraire. C'est un processus lent, difficile, vers un projet commun. Il y a des dirigeants populaires capables d'interpréter le sentiment d'un peuple, sa dynamique culturelle et les grandes tendances d'une société. La fonction qu'ils exercent en rassemblant et en dirigeant peut servir de base pour un projet durable de transformation et de croissance qui implique aussi la capacité d'accorder une place à d'autres en vue du bien commun. Mais elle se mue en un populisme malsain lorsqu'elle devient l'habileté d'un individu à captiver afin d'instrumentaliser politiquement la culture du peuple grâce à quelques symboles idéologiques au service de son projet personnel et de son maintien au pouvoir. Parfois, on cherche à gagner en popularité en exacerbant les penchants les plus bas et égoïstes de certains secteurs de la population. Cela peut s'aggraver en devenant, sous des formes grossières ou subtiles, un asservissement des institutions et des lois. Les gros populistes fermés défigurent le terme « peuple », puisqu'en réalité, ce dont ils parlent n'est pas le vrai peuple. En effet, la catégorie de « peuple » est ouverte. Un peuple vivant, dynamique et ayant un avenir, est ouvert de façon permanente à de nouvelles synthèses intégrant celui qui est différent. Il ne le fait pas en se rognant lui-même, mais en étant disposé au changement, à la remise en question, au développement, à l'enrichissement par d'autres. Et ainsi, il peut évoluer. Un autre signe de la dégradation du leadership populaire, c'est l'immédiateté. On répond à des exigences populaires afin de garantir des voix ou une approbation, mais sans progresser dans une tâche ardue et constante qui offre aux personnes les ressources pour leur développement, afin qu'elles puissent gagner leur vie par leurs efforts et leur créativité. Dans ce sens, j'ai clairement affirmé qu'est loin de moi la proposition d'un populisme irresponsable. D'une part, vaincre les inégalités suppose le développement économique en exploitant les possibilités de chaque région et en assurant ainsi une équité durable. D'autre part, les plans d'assistance qui font face à certaines urgences devraient être considérés seulement comme des réponses provisoires. La grande question, c'est le travail. Ce qui est réellement populaire, parce qu'il contribue au bien du peuple, c'est d'assurer à chacun la possibilité de faire germer les semences que Dieu a mises en lui, ses capacités, son sens d'initiative, ses forces. C'est la meilleure aide que l'on puisse apporter à un pauvre. C'est le meilleur chemin vers une existence digne. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'aider les pauvres avec de l'argent doit toujours être une solution provisoire pour affronter des urgences. Le grand objectif devrait toujours être de leur permettre d'avoir une vie digne par le travail. Les mécanismes de production ont beau changer, la politique ne peut pas renoncer à l'objectif de faire en sorte que l'organisation d'une société assure à chacun quelques moyens d'apporter sa contribution et ses efforts. En effet, il n'existe pas pire pauvreté que celle qui prive du travail et de la dignité du travail. Dans une société réellement développée, le travail est une dimension inaliénable de la vie sociale, car il n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie,
mais aussi une voie pour l'épanouissement personnel, en vue d'établir des relations saines, de se réaliser, de partager des dons, de se sentir co-responsable de l'amélioration du monde et en définitive, de vivre comme peuple. Valeurs et limites des visions libérales. La catégorie de peuple, qui intègre une valorisation positive des liens communautaires et culturels, est généralement rejetée par les visions libérales individualistes, où la société est considérée comme une simple somme d'intérêts qui coexistent. Elle parle de respect des libertés, mais sans la racine d'une histoire commune. Dans certains contextes, il est fréquent de voir traiter de populistes tous ceux qui défendent les droits des plus faibles de la société. Pour ces visions, la catégorie de peuple est une mythification de quelque chose qui, en réalité, n'existe pas. Toutefois, il se crée ici une polarisation inutile, car ni l'idée de peuple ni celle de prochain ne sont des catégories purement mythiques ou romantiques qui excluent ou méprisent l'organisation sociale, la science et les institutions de la société civile. La charité réunit les deux dimensions, mythique et institutionnelle, puisqu'elle implique un processus efficace de transformation de l'histoire qui exige que tout soit intégré, notamment les institutions, le droit, la technique, l'expérience, les apports professionnels, l'analyse scientifique, les procédures administratives. En effet, il n'y a de vie privée que protégée par un ordre public, le foyer n'a d'intimité qu'à l'abri d'une légalité, d'un état de tranquillité fondé sur la loi et sur la force, et sous la condition d'un bien-être minimum assuré par la division du travail, les échanges commerciaux, la justice sociale, la citoyenneté politique. La vraie charité est capable d'intégrer tout cela dans son déploiement et doit se manifester dans la rencontre interpersonnelle. Elle est aussi capable d'atteindre un frère ou une sœur éloignée, voire ignorée, à travers les différentes ressources que les institutions d'une société organisée, libre et créative sont en mesure de créer. Si nous prenons ce cas, même le bon Samaritain a eu besoin de l'existence d'une auberge qui lui a permis de résoudre ce que tout seul, en ce moment-là, il n'était pas en mesure d'assurer. L'amour du prochain est réaliste et ne dilapide rien qui soit nécessaire pour changer le cours de l'histoire en faveur des pauvres. Autrement, des idéologies de gauche ou des pensées sociales en viennent quelquefois à côtoyer des habitudes individualistes et des façons de faire inefficaces qui ne profitent qu'à une petite minorité. Dans le même temps, la multitude de ceux qui sont abandonnés reste à la merci du bon vouloir éventuel de quelques-uns. Cela révèle qu'il est nécessaire de promouvoir non seulement une mystique de la fraternité, mais aussi une organisation mondiale plus efficace pour aider à résoudre les problèmes pressants des personnes abandonnées qui souffrent et meurent dans les pays pauvres. Vice-versa, cela implique qu'il n'y a pas qu'une seule sortie possible, une méthodologie acceptable unique, une recette économique qui peut être appliquée uniformément pour tous. Et cela suppose que même la science la plus rigoureuse peut proposer des voies différentes. Tout cela serait précaire si nous perdions la capacité de percevoir la nécessité d'un changement dans les cœurs humains, dans les habitudes et dans les modes de vie. C'est ce qui se produit lorsque la propagande politique, les médias et les faiseurs d'opinion publique persistent à encourager une culture individualiste et naïve face aux intérêts économiques effrénés et à l'organisation des sociétés au service de ceux qui ont déjà trop de pouvoir. Voilà pourquoi ma critique du paradigme technocratique n'implique pas que nous pourrions nous trouver en sécurité en essayant uniquement de contrôler ses travers. Car le plus grand danger ne réside pas dans les choses, dans les réalités matérielles, dans les organisations, mais dans la manière dont les personnes les utilisent. Le problème, c'est la fragilité humaine, la tendance constante à l'égoïsme de la part de l'homme qui fait partie de ce que la tradition chrétienne appelle « concupiscence », le penchant de l'être humain à s'enfermer dans l'immanence de son moi, de son groupe, de ses intérêts mesquins. Cette concupiscence n'est pas un défaut de notre temps. Elle existe depuis que l'homme est homme et simplement se transforme, prend des formes différentes à chaque époque. Et somme toute, elle utilise les instruments que le moment historique met à sa disposition. Mais il est possible de la dominer avec l'aide de Dieu. Le travail d'éducation, le développement des habitudes solidaires, la capacité de penser la vie humaine plus intégralement et la profondeur spirituelle sont nécessaires pour assurer la qualité des relations humaines, de telle manière que ce soit la société elle-même qui réagisse face à ces inégalités, face à ces déviations, aux abus des pouvoirs économiques, technologiques, politiques ou médiatiques.
Certaines visions libérales ignorent ce facteur de la fragilité humaine et imaginent un monde obéissant à un ordre déterminé qui, à lui seul, pourrait garantir l'avenir et la résolution de tous les problèmes. Le marché à lui seul ne résout pas tout, même si, une fois encore, l'on veut nous faire croire à ce dogme de foi néolibéral. Il s'agit là d'une pensée pauvre, répétitive, qui propose toujours les mêmes recettes face à tous les défis qui se présentent. Le néolibéralisme ne fait que se reproduire lui-même en recourant aux notions magiques de ruissellement ou de retombée, sans les nommer, comme les seuls moyens de résoudre les problèmes sociaux. Il ne se rend pas compte que le prétendu ruissellement ne résorbe pas l'inégalité, qu'il est la source de nouvelles formes de violence qui menacent le tissu social. D'une part, une politique économique active visant à promouvoir une économie qui favorise la diversité productive et la créativité entrepreneuriale s'impose pour qu'il soit possible d'augmenter les emplois au lieu de les réduire. La spéculation financière, qui poursuit comme objectif principal le gain facile, continue de faire des ravages. D'autre part, sans formes internes de solidarité et de confiance réciproque, le marché ne peut pleinement remplir sa fonction économique. Aujourd'hui, c'est cette confiance qui fait défaut. Le résultat final n'a pas correspondu aux prévisions et les recettes dogmatiques de la théorie économique dominante ont montré qu'elles n'étaient pas infaillibles. La fragilité des systèmes mondiaux face aux pandémies a mis en évidence que tout ne se résout pas avec la liberté de marché et que, outre la réhabilitation d'une politique saine qui ne soit pas soumise aux diktats des finances, il faut replacer au centre la dignité humaine. Et sur ce pilier doivent être construites les structures sociales alternatives dont nous avons besoin. Dans certaines visions économiques étriquées et monochromatiques, il ne semble pas y avoir de place, par exemple, pour les mouvements populaires rassemblant des chômeurs, des travailleurs précaires et informels, ainsi que beaucoup d'autres personnes qui n'entrent pas facilement dans les grilles préétablies. En réalité, elles génèrent plusieurs formes d'économie populaire et de production communautaire. Il faut penser à la participation sociale, politique et économique de telle manière qu'elle inclut les mouvements populaires et anime les structures de gouvernement local, national et international, avec le torrent d'énergie morale qui naît de la participation des exclus à la construction d'un avenir commun. Et en même temps, il convient de travailler à ce que ces mouvements, ces expériences de solidarité qui grandissent du bas, du sous-sol de la planète, confluent et soient davantage coordonnées, se rencontrent. Mais sans trahir leurs caractéristiques, parce que ce sont des semeurs de changement, des promoteurs d'un processus dans lequel convergent des millions de petites et grandes actions liées de façon créative, comme dans une poésie. En ce sens, les poètes sociaux sont ceux qui travaillent, qui proposent, qui promeuvent et qui libèrent à leur manière. Grâce à eux, un développement humain intégral sera possible qui implique que soit dépassée cette idée de politique sociale conçue comme une politique vers les pauvres, mais jamais avec les pauvres, jamais des pauvres, et encore moins insérée dans un projet réunissant les peuples. Bien qu'il dérange, bien que quelques penseurs ne sachent pas comment les classer, il faut avoir le courage de reconnaître que sans eux, la démocratie s'atrophie, devient un nominalisme, une formalité, perd de sa représentativité, se désincarne, car elle laisse le peuple en dehors, dans sa lutte quotidienne pour la dignité, dans la construction de son destin. Le pouvoir international. Je me permets de répéter que la crise financière de 2007-2008 était une occasion pour le développement d'une nouvelle économie plus attentive aux principes éthiques et pour une nouvelle régulation de l'activité financière spéculative et de la richesse fictive. Mais il n'y a pas eu de réaction qui aurait conduit à repenser les critères obsolètes qui continuent à régir le monde. Pire, les réelles stratégies développées ultérieurement dans le monde semblent avoir visé plus d'individualisme, plus de désintégration, plus de liberté pour les vrais puissants qui trouvent toujours la manière de s'en sortir indemne. Je voudrais souligner que donner à chacun ce qui lui revient, en suivant la définition classique de la justice, signifie qu'aucun individu ou groupe humain ne peut se considérer tout puissant, autorisé à passer par-dessus la dignité et les droits des autres personnes physiques ou de leurs regroupements sociaux. La distribution de fait du pouvoir, surtout politique, économique, de défense, technologique, entre une pluralité de sujets ainsi que la création d'un système juridique de régulation des prétentions et des intérêts concrétise la limitation du pouvoir.
Le panorama mondial aujourd'hui nous présente cependant beaucoup de faux droits et à la fois de grands secteurs démunis, victimes plutôt d'un mauvais exercice du pouvoir. Radio Vatican vous a présenté Fratelli Tutti, la lettre encyclique du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Adaptation radiophonique de Mara Micelli. Avec les voix de Manuela Affigi, Muando Babualo, Olivier Bonnel, Marie Duhamel, Xavier Sartre, Cyprien Viet et Jean-Charles Puzolu. Assistance technique de Roberto Colangeli et Mario Scaton. Une production Radio Vatican en collaboration avec la Libreria Editrice Vaticana.